Bonjour, je vais vous. Ouh. Bonjour, je vais vous présenter le livre Sophie Scholl, non à la lâcheté. Ce roman historique a été écrit par Jean-Claude Mourleva pour faire connaître l'histoire de cette femme très peu connue en France. Ce livre raconte l'histoire de Sophie Scholl, une jeune résistante allemande de 21 ans de la Seconde Guerre mondiale, de pitch. Elle faisait partie des membres de la Rose Blanche, un membre de résistants, à Munich. Elle y a participé avec conviction et tout en étant consciente du danger. Elle a été dénoncée par le concierge de l'université de Munich à la Gestapo. La Gestapo, c'est les policiers allemands du régime nazi. Elle fut jugée par Fraser, un juge qui n'a aucune neutralité. Il se croyait plus intelligent et plus fort en condamnant des innocents. Il était odieux, ce soi-disant juge. Sophie Scholl ne faisait que diffuser des tracts contre le régime nazi. Elle avait un moral positif et voulait le bonheur des citoyens allemands. Elle voulait retrouver la vraie Allemagne. La vraie Allemagne libre et non d'une Allemagne dictatoriale. Si elle s'est alliée avec les membres de la Rose Blanche, c'est pour dénoncer le régime allemand, le régime nazi, des Allemands bien sûr, au monde entier. De sa vie de résistante jusqu'à sa mort, elle assuma ses actes. Mettons mes impressions. Pour moi, la défense de la liberté est un thème de ce livre parce que j'ai été impressionnée par les membres de la Rose Blanche parce qu'ils ont défendu une valeur qui est l'engagement. Ce livre est tellement réaliste qu'on s'y croirait vraiment dans l'action de Sophie. Ce livre contient beaucoup d'émotions pour moi. Parce que j'ai aimé les actions de Sophie parce qu'elle s'est battue contre le régime nazi pour la liberté de son pays. J'ai aimé les membres de la Rose Blanche puisqu'ils se sont aussi battus contre le régime nazi. Ils ont été honnêtes et courageux. Ils n'ont pas regretté jusqu'à leur mort leur acte contre le régime. C'est pour ça que j'ai aimé ce livre. Pour moi, c'est un roman historique qui est un trophée victorieux. Bref, j'aime trop ce livre.